Bienvenue, aujourd'hui je vous propose d'essayer une nouvelle application qui s'appelle Drone Harmony. Donc c'est une application qui est dispo pour Android, en version bêta pour l'instant. C'est une application qui sert à planifier des missions de captation. Elle apporte quelques concepts intéressants et nouveaux. Le premier, c'est la possibilité de modéliser les volumes qui vont représenter deux choses. D'une part, l'objet qu'on veut capter et d'autre part, des obstacles qui vont interdire la planification d'une trajectoire à l'intérieur. Le deuxième concept intéressant qu'apporte cette application, c'est un petit outil de simulation des routes de vol qu'on va donner à l'appareil. On peut planifier plusieurs types de missions, des missions périphériques, des missions de mapping, des missions combinées de captation périphérique et de mapping supérieur. On va voir que ça nous génère un certain nombre de routes qui vont permettre de planifier une mission cohérente de captation destinée à la modélisation 3D d'un édifice, par exemple. Donc ça va nous créer automatiquement le scan supérieur, les différents scans périphériques. Alors malheureusement, pour l'instant, l'ensemble de ces routes qui vont être créées ne s'enchaînent pas. Donc il va falloir relancer chaque route une après l'autre. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que ça nous crée un ensemble de missions cohérentes en termes de chevauchement de photos et donc en termes d'optimisation de notre captation. Voilà, donc c'est une application en version bêta. Moi, je l'ai testé avec un Phantom 4 Pro dans différentes situations et on va tout de suite faire quelques exemples de captation avec Drone Harmony. Donc c'est une application qui est assez intuitive en termes d'utilisation, vous allez voir. On va dans Drone Harmony et on fait un essai de captation. A tout de suite. Thank you.
va utiliser les possibilités de Drone Harmony pour justement créer des volumes qui représentent nos obstacles. Donc ça, c'est intéressant pour faire une captation dans un milieu assez compliqué avec des arbres, d'autres bâtiments, où on veut contraindre la mission à certaines zones de vol possibles autour de l'objet. On voit un bar graph qui progresse, donc c'est-à-dire qu'il est en train d'envoyer les différents waypoints à l'appareil. Et c'est parti.